Ce n'est pas un meurtrier, Stéphane Plaza de nouveau soutenu par son ami Jean-Phi Hensons. Jusqu'à preuve du contraire, il était et restera son ami. L'animateur Stéphane Plaza est actuellement poursuivi pour des faits de violence conjugale sur deux de ses anciennes compagnes, alors qu'il devait être jugé le 28 août dernier. Le procès de l'agent immobilier a finalement été repoussé à janvier 2025. Le principal intéressé nie en bloc les faits qui lui sont reprochés comme depuis le début. Et visiblement, malgré les accusations à son encontre, M6 lui fait toujours confiance. La preuve avec la grande nouvelle concernant l'émission Recherche appartement ou maison. Comme l'a relayé notre confrère Nicolas Malabeuf, la 6 va diffuser des épisodes inédits de l'émission présentée par Stéphane Plaza. La preuve que la chaîne fait toujours confiance à son animateur même s'il doit faire face à la justice. De plus, l'agent immobilier peut compter sur le soutien de ses proches et ses amis. Jean-Phi Hensons, ami de toujours de l'animateur, lui a par exemple apporté son soutien illy. À quelques heures lors de sa venue dans le Buzz TV du Figaro. Si c'est un ami, on a mal pour lui. La première force d'un ami, c'est de le soutenir. Je suis à ses côtés, a-t-il déclaré à nos confrères. De plus, l'humoriste assure que Stéphane Plaza l'a regardé dans les yeux pour lui faire part de son innocence dans cette affaire. Quand un ami nous regarde dans les yeux et nous dit « Jean-Phi, je n'ai rien fait, je n'y suis pour rien. » Ben, je le crois, c'est la base de l'amitié de croire ses amis. Néanmoins, il reconnaît que si la justice démontre le contraire, il révisera son amitié. Ça voudrait dire qu'il m'a menti. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, il y a une procédure en cours et j'ai confiance en la justice. Donc il faut laisser les choses se faire, poursuit-il. Jean-Phi Hensons le soutient aussi parce qu'on ne parle pas de violence sexuelle, on parle de violence qui sont tout aussi condamnables si elles sont avérées, mais ce n'est pas un meurtrier. Jusqu'à preuve du contraire, ça reste mon ami, a-t-il en effet conclu avec franchise.